bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce premier épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Je le rappelle rapidement, l'autre football se divise en plusieurs émissions, vous en connaissez déjà une, il s'agit de Culture Soccer, d'Anthony Devarenne et d'Antoine Latran, qui traite du football d'Amérique du Nord. Alors ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit dans Bola Latina, on ne sépare pas notre équipe par mauvaise entente, on opte plutôt pour la tactique du diviser pour mieux régner. Alors que ce soit Culture Soccer, donc l'AFC Corner pour l'Asie, que vous allez écouter, et l'Océanie, hein, Bola Latina pour l'Amérique latine, ou Efrika pour l'Afrique, tout cela reste du pur podcast Lucarne Opposée, les émissions radiophoniques des Globetrotters du foot. Avant de démarrer, n'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, YouTube, etc., etc. Et n'hésitez donc pas à suivre nos comptes personnels et le compte de Lucarne Opposée, à interagir avec nous et nous faire des suggestions, même des réclamations, hein, si vous voulez, pourquoi pas. Bref, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux, chers amis. L'AFC Corner, acte 1, donc, où nous allons nous pencher sur un transfert qui a brisé des cœurs en Corée du Sud, ainsi que sur la situation de la sélection australienne, adversaire des Bleus au Mondial et qui est totalement à la dérive façon Ulysse 31. Mais tout de suite, les petites brèves de la balle orientale. Débutons avec l'Empire du Milieu qui semble préparer sérieusement son dossier pour le Mondial 2026. La municipalité de Shanghai a en effet voté la construction de 5 à 10 stades de foot professionnels pour 2035. Pour le moment, nous pouvons en compter 2, le Hongku Football Stadium qui est utilisé par le Shanghai Shenhua et le Jinshan Stadium qui est utilisé par le Shanghai Shenjin. Un troisième est actuellement en construction pour le Shanghai SIPG avec 35 000 sièges. Livraison prévue pour 2019. Shanghai, il faut bien se rendre compte, c'est 24 150 000 habitants, soit 10 fois Paris intramuros. Alors 10 stades pro, ma foi, pourquoi pas. Innovation toujours, la CFA, pour Chinese Football Association, a signé 10 arbitres étrangers. En principe, au moins un match par journée sera donc arbitré par l'un d'eux. Une décision sans doute liée au niveau de l'arbitrage local, hein, très critiqué, et qui aura pour but d'aider la formation des hommes en noir chinois. Guangzhou Evergrande, ou plutôt Canton Evergrande, quand on y pense, elle est pas mal celle-là, je vous laisse digérer la blague, prenez le temps. L'actuel champion en titre a décidé d'emprunter la même voie que les Chivas Guadalajara ou l'Athletic Bilbao et a publié un communiqué expliquant que son objectif sera désormais de former une équipe 100% chinoise d'ici 2020. Alors exit les achats étrangers onéreux donc, et pas de dépenses de folie à attendre, à prévoir pour les 5 prochains mercato. Gageons que cette décision n'échaude pas l'ami Fabio Cannavaro, l'ancien capitaine de la sélection italienne, de la Squadra Azzurra, qui est le nouvel entraîneur des Jaguars de Chine méridionale, oui, ce surnom claque, littéralement, et qui partiront le mois prochain en Australie et effectuer leur préparation du côté de Victoria. Et ça joue, d'ailleurs, en Australie. La ligue se trouve à mi-parcours, à peu près, un peu plus, quoi, mais bon. Et c'est le Sydney FC qui domine les débats, notamment grâce à son Brésilien Bobo, qui fait mal aux adversaires, elle est pas mal non plus, celle-là, avec 15 buts en 15 rencontres. Avec 5 points de retard et un match d'avance, seul Newcastle Jets semble encore en mesure de venir défier les Sky Blues. On en profite pour passer un petit coucou à nos amis Ben Kalfala et Boteac, dont le Brisbane Roar, paye ton accent, est avant-dernier, donc voilà, désolé les gars. L'Australie, qui, à défaut de connaître son nouveau sélectionneur, on en parlera tout à l'heure, connaît les adversaires de ses deux amicaux de préparation de mars. Il s'agira de la Norvège, le 23 à Oslo, et de la Colombie, le 28 à Londres. Un Scandinave et un Sudam, donc, fort probablement pour préparer les batailles face aux Danois et aux Péruviens qui les attendent au Mondial en Russie. Sinon, le Mondial 2018 sera justement la dernière échéance de coach valide à la tête des Samouraïs Bleus du Japon. Le championnat d'Asie U23 a débuté cette semaine. Joe, le diabaté brésilien, est arrivé en fanfare au Nagoya Grampus en provenance du Corinthians. Kazuyoshi Miura, 50 berges quand même, a prolongé d'une nouvelle année au Yokohama FC en deuxième div japonaise, increvable type, et enfin
Enfin, le capitaine des Yokohama Marinos, Manabao Saito, a surpris tout son monde en signant chez le grand rival, le Kawasaki Frontal. Un transfert en forme de trahison, de grande trahison, qui ne fait qu'emboîter le pas de celui de Dejan Damianovic, véritable légende du football coréen et asiatique, qui a quitté le FC Séoul, son club de toujours, pour l'ennemi héréditaire, le Suwon Blue Wings. Un tremblement de terre et une rivalité que la FC Corner a choisi de vous décrypter, c'est par ici, suivez le guide. Nous rejoignons donc notre spécialiste de la K-League, notre spécialiste Corée, Baptiste Morigal. Comment vas-tu, Baptiste ? Salut, ça va très bien, et toi ? Ça va très bien, tu t'embêtes pas pendant la pause du championnat coréen ? Ah non, là on vient de commencer la FCU23, ça me fait un petit peu d'animation en Corée, et puis il y a les transferts, c'est toujours assez croustillant ce qui se passe. Ah, c'est assez croustillant, on va justement en parler. C'est marrant que tu abordes le championnat U23, donc la FCU23 tu m'arrêtes si je me trompe, mais le championnat de nation continentale, donc de U23, la Corée du Sud, les guerriers Taeguk, tu m'arrêtes aussi là si je fais une erreur de prononciation, mais il me semble que c'est généralement une bonne équipe, souvent les équipes jeunes, les Coréens. Ils sont bien partis dans ce tournoi, ils ont des bonnes ambitions. Ils ont commencé aujourd'hui, ils ont gagné face au Vietnam, mais l'objectif c'est surtout de préparer l'équipe à la fois pour le prochain championnat U23 et pour les JO asiatiques. Là franchement, s'ils vont pas en finale, ils gagnent pas, personne ne leur tiendra rigueur, parce qu'on s'en fiche un petit peu de celui-là. Comme il est tous les deux ans, il y a pour désigner qui ira aux JO, celui qui est entre les Jeux Olympiques, là, celui qui est juste après les Jeux Olympiques, on s'en fiche. On attend celui qui est juste avant. Comme le Japon, quoi. C'est allez hop, on va s'entraîner. C'est une phase test. C'est ça. Voilà, pour engranger de l'expérience. Bon, alors moi, je voulais que tu nous parles, comme je vous l'ai expliqué, chers auditeurs, Dejan Damjanovic, monténégrin, a signé donc au Suwon, en provenance de Séoul, deux énormes clubs de la K-League. Et moi, je voulais que tu nous expliques pourquoi ce transfert était un vrai tremblement de terre à l'échelle presque continentale, puisqu'on parle quand même d'un des championnats majeurs du continent et de deux clubs majeurs du continent, ou presque. Avant vraiment de passer sur les clubs, j'aimerais que tu nous expliques ce que représente ce joueur pour le club, le FC Séoul, pour son championnat et même au niveau asiatique. Tout simplement, Dejan Damjanovic est une légende du FC Séoul. C'est-à-dire que c'est un gars qui est arrivé en Corée. Il a 36 ans, donc c'était en 2007. Donc si on fait le calcul, c'était à peu près à 10 ans, donc il avait 26 ans. Donc il est arrivé il était au début, on va dire, à la bonne fleur de l'âge dans sa carrière. Et il a d'abord arrivé à Incheon, après il a signé à Séoul. Et puis concrètement, faut le dire, hein, c'est sans doute le meilleur attaquant étranger qui ait connu le championnat coréen. Et peut-être le meilleur attaquant étranger qui ait pu voir l'Asie, un des meilleurs en tout cas. Ses stats sont assez énormes. Rien qu'avec Séoul, il est à plus de 300 matchs joués. Il est rien qu'en K-League, il est pas loin de 200 buts. Je pense qu'il a dû je crois qu'il les a passés cette année, toutes compétitions confondues. C'est un mec en attaque, c'est une valeur sûre, quoi. Il empile les buts. Et même quand il est parti deux ans en Chine, là, 2014-2015, ça a marché tout de suite. Il a 45 matchs, 26 buts avec le Beijing Guoan. Voilà, c'est ça. Donc ça fait pratiquement un but tous les deux matchs. C'est quand même une belle stat. Quand on voit comment certains joueurs réputés de très grande classe, de classe mondiale, se plantent ou se ratent en Super League chinoise, en effet, c'est quand même une belle stat, ouais. C'est ça. Le mec est vraiment... il est venu là, avec sérieux, quoi. Hein. Il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord, il a empilé les buts. Il a gagné des titres avec Séoul. Il est quand même à l'origine des trois championnats en 2010, 2012, 2016. Il est dans l'équipe, c'est lui le leader d'attaque, il a
a gagné une League Cup en 2010. Il a gagné, enfin, il n'a pas gagné, il a fait finale de FA Cup en 2016, que Séoul avait gagné en 2015. Il a été finaliste de la Ligue des Champions en 2013. Il a été MVP en 2012. Enfin, trois fois meilleur buteur du championnat. Enfin, bref, on pourrait encore continuer plusieurs fois sur toutes ces lignes de stats. C'est la légende du FC Séoul. Voilà. Ouais, c'est une vraie légende du FC Séoul. Ah, oui. Et d'ailleurs, moi, je me demandais, vu que ça fait 10 ans qu'il est dans ce pays, et que les Européens, parfois, ont des difficultés à s'acclimater, à s'intégrer à la vie sociale dans les pays asiatiques. En tout cas, c'est quelque chose dont j'entends parler dans les milieux d'expats, par exemple, qui sont aussi une façon de travailler à l'étranger. Hein. Footballeur à l'étranger, c'est ça. Hein. C'est une forme d'expatriation, comme il y en a beaucoup. Exactement. Est-ce que, voilà, après 10 ans, une popularité aussi grande, est-ce que Damjanovic, il est vraiment intégré à la vie sud-coréenne? Ah, mais complètement. C'est le pays, enfin, il adore le pays. Il le déclare de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je me souviens que quand il était parti en Chine, il avait eu une interview. On lui avait demandé qu'est-ce qui lui manque le plus. Il avait dit la nourriture sud-coréenne. Tu vois, c'était même pas dire ce qui me manque, c'est ce qu'il y a dans mon pays au Monténégro. C'était la nourriture sud-coréenne. Donc ça sentait que ça lui manquait la Corée. Puis il a toujours dit. Il a toujours dit que Séoul était sa deuxième maison après le Monténégro. Donc oui, là il s'est très très bien adapté. Ses enfants grandit là, sa femme vit avec lui, enfin voilà, c'est même familial, tout le monde semble être bien content de vivre en Corée. D'accord, et bah justement, du coup, voilà, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi ce monument du football asiatique et du football coréen a provoqué un tel tremblement de terre en passant du FC Séoul au Suwon Blue Wings. Parce qu'il faut le rappeler, tu vas l'expliquer tout à l'heure, mais le FC Séoul et le Suwon Blue Wings sont de grands rivaux. Mais alors, qu'est-ce qui l'a poussé à ce départ ? Tout simplement le club. C'est-à-dire que Séoul n'a absolument pas été reconnaissant envers lui. Il a encore fait une saison où il finit meilleur buteur, où c'est lui qui tient vraiment l'équipe à bout de bras sur le plan offensif, puisqu'en défense, on ne va pas revenir dessus, mais il n'y a personne. Et donc, il finit quand même avec 19 buts, deuxième meilleur buteur du championnat. Et puis, il a toujours dit qu'il voulait continuer au FC Séoul jusqu'à ce que sa carrière se termine. Et il était en fin de contrat. Et là, pour lui, l'objectif, c'était je vais rester, quoi. J'ai pas envie de prendre ma retraite, je reste. Sauf que le club, il a visiblement envie de tout reconstruire, donc de dégager tout le monde. Enfin, pas tout le monde, j'en reviendrai après dessus. Et ils ont dit à Dejan Damjanovic, tu prends ta retraite, tu intègres le staff, et voilà, c'est comme ça qu'on continue. Donc forcément, Dejan n'a pas spécialement envie, quoi. 36 ans, toujours au top, envie de continuer sa carrière. Donc, quelques années, ouais. Voilà, c'est ça. En plus, surtout qu'en Asie, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont un peu âgés, qui continuent de jouer, donc pourquoi pas lui, surtout quand ça marche. Et donc voilà, Séoul voulait en faire un peu le Adilson, un défenseur brésilien qui est aussi un très grand joueur du FC Séoul, dont le club a forcé la retraite en 2014 et qui est maintenant dans le staff. Sauf que lui, Dejan, n'était pas vraiment sensible à ça, à arrêter maintenant. Surtout qu'on sait que Dejan a très envie ensuite d'être investi dans le club à la fin de sa carrière. Ça, on le sait. On lui avait posé la question. Il a toujours dit qu'il voudrait faire quelque chose pour le club à la fin de sa carrière. Donc, l'idée n'était pas bête, sauf que ce n'était pas le bon moment. Dejan n'avait pas envie. Et Séoul lui a dit, très bien, on ne propose pas de contrat. Donc là, c'est branle-bas le combat dans le clan Damjanovic, il faut trouver un club. Ils ont sondé à l'étranger parce que je pense qu'à la base, Dejan n'avait pas spécialement envie d'aller dans un concurrent en Corée. Puis ce qui se proposait à l'étranger, ça n'a pas dû lui plaire, ça devait être juste de l'argent et pas d'intérêt sportif. Donc, ses agents ont commencé à sonder les clubs en Corée, à se dire il veut gagner la Ligue des Champions, il a toujours voulu gagner ce trophée, il n'a pas pu le faire avec Séoul alors qu'il voulait le faire avec Séoul. Donc, on va aller voir les quatre qui sont qualifiés. Donc, en Corée, il y a Jeonbuk, Jeju, Suwon et Ulsan. Et là, ensuite, bien sûr, maintenant, moi, je pense et j'en suis certain, il y a deux facteurs qui rentrent en compte dans le choix sur les quatre. Déjà, Jeonbuk, c'est impossible. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Dejan n'est pas vraiment le profil que recherche actuellement Jeonbuk. Jeju, ça aurait pu être fait, mais Jeju avait déjà fait son mercato et avait déjà trop d'étrangers, donc ça coinçait. Ulsan, je pense que c'était même pas une considération pour Dejan Damjanovic. Et donc, il restait Suwon, et Suwon remplissait les deux
facteurs donc, que je vais vous expliquer maintenant. Le premier, c'est que Suwon est très très proche de Séoul. Donc pour la famille de Dae-yan, bah, ça ne change pas grand-chose. Ils vont rester vivre à Séoul et lui, il ira juste faire les 30 km qui séparent les deux villes pour aller s'entraîner. Car comme tu l'as dit, Dae-ran Damjanovic et sa famille sont vraiment implantés à Séoul. Quoi. Il y a ses enfants et tout. Voilà, exactement. Ses enfants vont à l'école internationale à Séoul. Donc ça a arrangé toute la petite famille. Personne ne bouge. Le cadre familial est toujours là. Et ensuite, bah, forcément, on va y penser. Hein. Dae-yan va vouloir se venger entre guillemets de Séoul, qui a quand même été ingrat envers lui sur le coup. Donc, une pierre deux coups, on va à Suwon. Et donc, il a signé à Suwon. Comme ça, en plus, il pourra jouer la Ligue des Champions avec l'objectif de la gagner, comme il a toujours voulu le faire. Et voilà, c'est ça. Et puis, ça fait un tremblement de terre, parce que comme Tu penses qu'il y a une pointe de vengeance, carrément, dans sa signature? Je pense, parce que Dae-yan n'était pas vraiment content. En 2016, quand il est arrivé, il est surtout revenu sous l'impulsion du coach de l'époque. Je peux pas t'aider. Choi Yong-soo, voilà. C'était l'entraîneur et a réussi à le refaire venir. C'est lui qui a vraiment joué un rôle. Et en milieu de saison, il est parti à Jiangsu Suning. Il n'a pas pu refuser une offre aussi grosse que lui proposait le club chinois. Et là est arrivé l'actuel entraîneur, Wang Sung-gong. Et les relations entre les deux joueurs, si tu veux, c'est pas vraiment au beau fixe. C'est assez froid. C'est très, très froid même. Je pense que Dae-yan n'aime pas du tout la gestion d'effectifs que fait Wang Sung-gong de l'équipe. Je pense que même sans être, moi, tous les jours au contact du club, comme peuvent l'être des collègues qui y sont, sur le terrain, on le sent. C'est-à-dire que quand Dae-yan sort, c'est jamais, si tu veux, il va taper dans la main parce qu'il doit le faire, mais c'est jamais quelque chose de très chaleureux entre les deux. En plus, on voit régulièrement Dae-yan faire un peu le travail de Wang Sung-hong sur le terrain, c'est-à-dire lui-même à replacer les joueurs, à leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est limite, il se substitue pas à l'entraîneur. Tu sentais quand même que les relations étaient compliquées. J'ai eu des échos comme quoi l'entraînement, Wang Sung-hong n'appelait pas Damjanovic par son prénom. Donc, c'est-à-dire qu'il lui disait jamais Dae-yan alors qu'il le disait aux autres. Il l'appelait toujours Damjanovic. Donc, tu sentais quand même que la relation était pas au beau fixe et la direction derrière est ingrate avec lui, ne le prolonge pas. Je pense que oui, il y a un petit côté. Tous les ingrédients étaient là pour faire cette grande trahison de signer au Suwon. Parce que c'est ça que je voulais que tu nous expliques aussi. C'est voilà, donc FC Séoul et Suwon sont deux très grands rivaux. Dans le championnat coréen, si ce n'est le plus gros derby. Le plus gros derby, hein. Clairement, derby. C'est la plus grosse confrontation qu'on puisse trouver aujourd'hui dans le football sud-coréen. Après, des derbys, il y en a d'autres, mais alors celui-là, c'est vraiment le plus costaud. D'ailleurs, c'est le plus costaud. C'est au niveau de, comment dire, ça va au niveau de l'intensité. Comment on peut se représenter le derby de Séoul au niveau de l'intensité? Est-ce qu'il y a des violences entre supporters, malheureusement? Est-ce que les stades deviennent incandescents les jours de ces matchs-là, bien plus que d'habitude? Qu'est-ce qui change? Alors, je pense qu'au niveau des violences, tu n'en trouveras pas, ou très très peu. Alors, j'ai pas vraiment eu d'écho de vraies violences entre supporters, parce que les gens sont quand même respectueux. C'est-à-dire que, ok, c'est le rival, mais ça reste du foot, donc il n'y a aucune raison d'aller lui taper sur la planche. Je dirais pas que c'est négatif qu'un derby ne soit pas violent, c'est plutôt positif. Ah non, mais après ils ont des bannières bien sûr qui sont violentes, hein. C'est le jeu, ça fait partie du jeu, mais entre eux je pense pas qu'ils iraient se battre. En tout cas, j'ai pas eu d'écho comme quoi ça a été au point d'avoir des bagarres. D'ailleurs, il y en a très peu en Corée, hein. Les problèmes dans les stades sont très très rare, mais en termes d'intensité et de rivalité, je sais pas, on pourrait pas appeler ça comme Lyon et Saint-Etienne, quoi. C'est bien choisi. Ouais, en plus, je sais que t'es un supporter des Verts. Donc oui, je pense qu'on pourrait mettre à ce niveau Lyon-Saint-Etienne. Donc en fait, en Corée, le jour de ces matchs-là, bah, c'est les plus grosses influences. Il y a tout le monde dans les stades, ça chante. C'est le gros match que tout le monde va voir, même si tu ne suis pas le foot au quotidien. Bah, ce match-là, tu le sais et tu vas le voir, quoi. Et alors, d'où vient cette grande rivalité entre le FC Séoul et Suwon? Alors, on va dire qu'il y a deux aspects.
Il y a un aspect géographique, forcément. Bon, on pourrait même ajouter un troisième. Bon, deux aspects, donc trois aspects, on va dire. Géographique, parce que Suwon et Séoul, bah, c'est 30 km. Et puis, si on revient à l'origine, donc à toute l'origine de cette confrontation, ça a commencé en 96. C'est-à-dire qu'en 96, la K-League veut que les clubs quittent le plus possible la capitale, donc Séoul, parce que alors, c'est original, ça. Ils sont trois dans la capitale. Et ce que veut la K-League, parce qu'en plus, ils avaient en projet d'avoir la Coupe du Monde 2002. Je pense que même à cette époque-là, c'était déjà acté. Donc, ils voulaient que les clubs soient un peu répartis, soit dans les provinces, quoi, que le foot ne soit pas concentré à Séoul. Donc, ils ont forcé les clubs à déménager. Donc, c'était avec avis d'expulsion, tout. Hein. Ça rigolait pas. Hein. C'est vous partez de la capitale. Donc, parmi ces clubs, il y avait l'actuel Seongnam, l'actuel Jeju, et l'actuel Séoul. Donc, le club de Séoul de l'époque, c'était les LG Cheetahs, et ils ont été donc obligés de s'en aller. LG, on le rappelle, comme la marque d'électronique LG. C'est ça, exactement. Puisqu'à l'époque, c'est plus trop le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu une séparation dans le groupe LG, donc c'est plus LG qui est propriétaire de Séoul, mais c'est GS Group, qui était avant incorporé dans LG. Mais les clubs appartiennent soit à des villes, soit à des entreprises. Et je reviendrai, c'est un aussi des facteurs de la confrontation. C'est pour ça que je le précise. Voilà. Donc Séoul, donc l'actuel FC Séoul, donc à l'époque LG Cheetahs, se déplace, donc va migrer à seulement 21 km au sud, dans la ville de Anyang, qui est, on va dire à mi-distance entre Séoul et Suwon. Et ces deux villes ne sont séparées que par une route et qui traverse une colline qui s'appelle Jijide. Et donc, tout simplement, on va créer le Jijide Derby. C'est-à-dire que les deux villes qui sont juste séparées de 20 km, elles ont trouvé leur nom, elles sont séparées par une colline, la colline a un nom, et donc on donne le nom du derby, Jijide Derby. Le premier facteur, le facteur géographique, comme tu dis, mais il y en a un deuxième. Oui, et le deuxième est forcément sportif. Voilà. Ouais. Le sportif, les deux équipes. Déjà, on sait que le Jijide Derby est celui qui rameutait beaucoup de monde à l'époque. Hein. Juste comme ça, le tout premier qui a eu lieu en 96, 32 000 personnes dans le stade. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais atteint ce niveau-là pour des clubs. C'est la première fois et 32 000 personnes dans un stade. Donc déjà, il y avait on sentait que ça, les villages, les gens, un petit terreau qui faisait que celui-là, il va pouvoir nous faire rentrer de l'argent, nous faire rentrer du monde dans le stade. Il va falloir qu'on le préserve. Donc les deux équipes ont ensuite réussi à gagner des titres. Ils se sont battus plusieurs reprises pour les titres de champion à la fois de Corée, à la fois pour la coupe. Il y avait une rivalité sportive, c'est-à-dire que c'était pas vraiment les deux mauvaises équipes du championnat. Non. Là, on avait deux gros clubs qui pouvaient gagner des titres et qui forcément devaient se marcher l'un sur l'autre pour y arriver. D'ailleurs, dernièrement, pour être très récent, en 2016, Séoul et Suwon sont en finale de la coupe. Et Suwon bat Séoul pour remporter la coupe. Donc, tu vois, ce n'est pas vraiment des équipes qui sont... elle est dernière, l'autre, il est devant. Non, les équipes compètent les deux pour les titres. Quoi. C'est ça. Après, il y a des... Nationaux et même continentaux. Oui, même au niveau continental, oui. Si je me souviens bien, il y a eu un match, c'était pour je crois que c'était en demi-finale ou en finale. Si je suis pas, de mémoire d'éléphant. En 2002, il me semble qu'il y a une finale de Champions League Suwon Anyang. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, en 2002, voilà. Ça, donc c'est bien une finale, c'est pas une demi. À l'époque, il n'y avait pas la séparation des deux continents. Donc oui, voilà, il y avait bien une finale entre les deux équipes. Donc tu vois, ça a quand même été jusqu'à une confrontation au plus haut du continent. Bah là, c'était au top pour ceux qui sont moins familiers du championnat coréen et de l'Asie, donc la Champions League d'Asie. Voilà, c'est à voir en finale. Qu'est-ce qu'on a déjà eu? Inter, Milan AC. On a eu juste Milan. Mais Real Atlético, voilà. Real Atlético, voilà, exactement. Voilà. La même chose. C'est comme si on avait ça. Et en plus, à ce moment-là, c'est les Blue Wings donc de Suwon qui gagnent. Donc, très bien passé du côté de Séoul qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais Pour plusieurs finales perdues. Pour plusieurs finales perdues, exactement. Avec la dernière en date en 2013 que j'ai bien au fond de la gorge, tu vois. Parce que tu perds pas un seul match des matchs aller-retour et tu gagnes pas le titre. C'est con quand même. C'est.
Rageant. Ça, c'est la beauté du match aller-retour avec les buts à l'extérieur. Et enfin, il y a un troisième facteur, donc, qui est lié, lui, au propriétaire de ces équipes. C'est ça. Le FC Séoul était, et maintenant ne l'est plus, mais avait pour propriétaire est la marque LG, que tout le monde connaît, téléphone, télé, etc. Et en face, bah, le concurrent direct sur le marché, Samsung. Donc, quand les deux clubs s'affrontent, bah forcément, on ne s'affronte pas uniquement pour le sport ou pour la géographie, mais aussi pour la marque. LG face à Samsung. Donc, il y a toujours quelque chose qui peut attiser le match. Et il faut expliquer à nos auditeurs qu'en Corée, il me semble, de ce que j'ai lu dans des articles hors football, plus culture, appartenir en entreprise, c'est vraiment très très puissant, très profond. Ça touche au fanatisme, quoi. C'est très très fort d'appartenir à une entreprise. On n'est pas seulement employé de Samsung, on est vraiment lié à Samsung ou à LG ou à Hyundai ou à voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, quand on affronte Samsung, et qu'on appartient à LG, qu'on affronte Samsung, c'est mieux de gagner, quoi. C'est pour l'image, c'est toujours mieux. Parce que forcément, quand on va en parler, on va dire Samsung bat LG. Pour l'image, c'est toujours mieux de gagner. D'ailleurs, ça existe toujours aujourd'hui au baseball. Au baseball, où les équipes sont appelées par leur nom de marque. On dit LG face à, je sais pas moi, Kia, tu vois. Donc, à l'époque, on disait plutôt LG face à Samsung. D'accord. Même si aujourd'hui, on le dit moins parce que Séoul n'a plus le nom de LG dans son titre. C'est devenu seulement FC Séoul. Par contre, sur le maillot, il y a toujours GS Group, qui était une ancienne branche de LG. Donc, on considère que c'est toujours LG qui tient Séoul, même si c'est plus vraiment LG, quoi. Et du coup, on va terminer là-dessus, juste pour s'imaginer, qu'est-ce que ça va donner le retour de Damjanovic au FC Séoul pour le prochain FC Séoul Suwon? Ah bah, ça va être, je pense que ça va être partagé. C'est-à-dire qu'il y a des supporters de Séoul qui vont lui rendre hommage parce qu'ils vont bien comprendre que c'est la faute de leur club et pas forcément de lui. Donc ils vont lui rendre hommage. Par contre, je pense que Séoul, lui, eux vont le sentir passer, mais pas dès le premier super match, quoi, dès le premier match de la saison. Et il va y avoir la branche des plus virulents, entre guillemets, qui lui, par contre, ne va absolument pas pardonner à Dejan et qui vont, je pense, le siffler, faire en sorte qu'il fasse un match désagréable, et je pense même qu'il ne faut pas qu'il aille les saluer à la fin du match, parce qu'on pense que à ce moment-là, on peut devenir très con et lui jeter des bouteilles ou ce genre de choses, comme a pu le faire à certains moments les supporters. Donc, je pense que ça va être mitigé. Je pense qu'il y en a qui vont quand même lui le féliciter. Donc une certaine sagesse reste du côté des supporters du FC Séoul normalement. Tiens, dernière question avant de se quitter. D'ailleurs, je t'ai jamais posé la question. Toi, tu es pour qui ou à qui va ta préférence en K-League? Moi, forcément pour Séoul, parce que quand j'ai commencé à suivre le championnat, je l'ai suivi grâce à un duo en or, Damjanovic-Molina, qui m'avait fait assez rêver en Ligue des Champions. Et 2000, d'ailleurs, ça avait commencé en 2012, ça avait commencé en 2012. Et j'avais suivi, en fait, comme à l'époque, je pouvais regarder que ces matchs-là, parce que je trouvais pas on va le dire, de streaming du championnat coréen. Moi, je regardais essentiellement les matchs de Ligue des Champions et j'étais tombé à, je vais pas dire un mot, mais j'adorais le duo Molina Damjanovic, donc ça m'a fait suivre Séoul, quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai une petite préférence pour Séoul. D'accord, donc un petit peu dégoûté quand même. Ouais, un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, je reste objectif, je reste objectif. Je l'ai félicité sur Twitter, Damjanovic, et je lui ai dit d'aller gagner une Ligue des Champions avec Suwon, parce que Séoul, visiblement, maintenant, ce qu'il risque de gagner très prochainement, c'est la deuxième division. Eh ben, on le souhaite que ce grand joueur la gagne, cette Coupe continentale, puisque il lui manque, il ne l'a pas. Et franchement, ça fait tâche à son palmarès, tant c'est un immense joueur en Asie. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste. Eh ben, de rien. Merci à toi de m'avoir invité pour ça. C'est tout à fait normal. Allez, on te dit à la prochaine. À la prochaine, salut. Tout de suite, partons pour l'Australie, futur adversaire de la France au Mondial, donc faire un point sur l'état de la sélection, ce navire sans capitaine qui file tout droit sur un gros iceberg russe. C'est parti, mes amis, cap au sud. Oui.
Et nous rejoignons donc Nico et non Antoine qui a laissé sa place aujourd'hui spécialement à Nicolas, Antoine qui normalement est notre spécialiste Australie et qu'on attend pour parler de l'Australie le plus vite possible. Mais c'est donc Nicolas Cougo, hein, notre rédacteur en chef que vous connaissez tous, bien évidemment, qui remplace donc Antoine pour parler de l'Australie. Et Nicolas, tu as bien sûr toutes les compétences pour parler des Soqueros, n'est-ce pas? Évidemment. Comment vas-tu? Salut Simon. Eh ben écoute, ça va tranquille. Bon, ça va, tranquille. Bah écoute, satisfait du mercato de River avant de parler de l'Argentine? Bah, on a vu des noms, on a vu des transferts qui ont l'air de commencer à capoter, hein, je pense à Silvio Romero. Donc bon, voilà, on va voir comment ça évolue, mais ouais, ça peut être sympa. Mais on n'est pas sur Bola Latina, là, on est sur l'AFC Corner, et on est là pour parler de l'Australie, et justement, donc voilà, je l'ai dit, les Soqueros qui n'ont toujours pas retrouvé de sélectionneur à leur équipe nationale depuis l'éviction de Ange Postecoglou juste après la qualification pour le Mondial. On en approche du Mondial, hein, c'est dans 6 mois, ça ouais. Commence à craindre sévère et ça commence à ruer dans les brancards et il commence à y avoir des gens qui... j'ai que gueule qui me vient en tête, mais voilà, des gens, voilà, ça commence à gueuler sacrément dans les médias, et notamment on pense à Robbie Slater, dont tu voulais me parler, rien à voir avec Kelly Slater, le surfeur. Robbie Slater, qui est un ancien joueur du RC Lens à la fin des années 80, début 90, pour ceux qui s'en rappellent. Monsieur Slater est très acerbe. Sur la situation, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ouais, il est très très acerbe. Alors comme tu disais, hein, la Coupe du Monde c'est dans 6 mois, Postecoglou a mis fin, hein. C'est lui qui est parti, hein, le 22 novembre dernier, il a quitté son poste de sélectionneur en laissant une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde. Et donc depuis le 22 novembre dernier, l'Australie n'a pas de sélectionneur. Alors c'est pas le seul pays, hein. Le Chili c'est pareil, ils viennent à peine de nommer Rueda, sauf que la situation est pas tout à fait la même, puisque comme tu l'as dit, la Coupe du Monde dans 6 mois, et l'Australie joue ses premiers matchs de préparation pour la Coupe du Monde, hein, les matchs amicaux qui vont arriver au mois de mars. Donc en gros dans 2 mois concrètement, l'Australie jouera la Norvège et la Colombie. On est à 2 mois de la préparation en termes des joueurs sur le terrain, et on a toujours personne. Et Robbie Slater a toujours été très acerbe, hein, même à l'époque contre Postecoglou, il était souvent assez dur, mais là il a envoyé Postecoglou aurait même dit que les critiques de Robbie Slater et d'autres journalistes est un des facteurs qui l'aurait poussé vers la sortie d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il a expliqué son départ. Cette pression médiatique et critique qui est la lourdeur de la responsabilité du poste qu'il avait. Bon, il était quand même en place depuis 2013, ça faisait presque 4 ans, je pense que voilà, hein, il avait quand même... Slater lui a répondu, hein, dessus en disant qu'en fait, il faudrait qu'il assume le fait qu'il est parti pour le fric. Voilà, ça se règle un peu les comptes entre Postecoglou et Slater. Je ne suis pas totalement en désaccord avec ce que dit Slater sur les réelles motivations de Postecoglou, puisque bon, il a atterri au Japon, là, au Yokohama F Marinos, mais il était longtemps annoncé du côté de l'Écosse, hein, notamment. Donc, il avait des postes un peu plus, comment dirais-je, prestigieux et mieux payés, qui étaient dans son visuel. Voilà, merci. Donc bon, ils ont réglé les comptes. Postecoglou a dit ça, mais le fait est que Slater a dit des choses quand même assez intéressantes. Alors concrètement, il s'en est pris là cette semaine très très violemment contre la fédération. Il a rappelé justement que Postecoglou était parti en novembre. Depuis novembre, il ne se passait rien, qu'on voyait des gens des noms qui ont été cités. Alors on en parlera peut-être, hein, des nombreux noms. Mm-hmm. Il a critiqué le fait qu'on a aussi un espèce de comité un peu étrange qui se met en place à la fédération. Alors, pour présenter un petit peu les choses, la fédération australienne... Faceless Men, les hommes sans visage. Exactement. Il a dit que ça tournait aussi à la farce, hein, l'histoire. En fait, pour dire les choses, la fédération australienne est dans un processus donc, où elle va...
étudié plusieurs candidatures. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce que dit Dave Gallop, par exemple, notamment, qui est le directeur général de la Fédé, qui a expliqué ça à plusieurs reprises. Ils ont mis en place un comité, il y a des consultants, Marc Bresciano par exemple. On a appris par exemple que Gérard Rouillet faisait partie de ces consultants. Pardon. Bon. C'est oui, bah oui, bah. je suis content que tu le fasses en même temps que moi. Il est consultant. On a appris aussi que il y a aussi un ancien joueur et entraîneur écossais, Andy Roxburgh, qui était dans ces consultants-là, qui aujourd'hui joue aussi. C'est très étrange l'histoire parce que cet homme-là officie aussi en même temps comme directeur technique au sein de la Fédération asiatique. Donc on voit pas trop ce qu'il vient faire au niveau de la Fédération australienne. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une espèce de comité nébuleux qui s'est mis en place, soi-disant. De conseiller la fédération dans le choix du futur candidat. Bon, c'est assez croustillant parce que, bah, par exemple, tu as rigolé sur Gérard Rouillet, mais on se rappelle que Gérard Rouillet était candidat au poste de sélectionneur de l'Australie il y a un peu plus de 10 ans, en 2006. Donc voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes têtes qui viennent tourner dès qu'il y a un petit peu quelque chose à venir gratter quelque part. Sauf que voilà, il y a plein, c'est d'ailleurs ce qu'il dit, on est en train de payer tout un tas de conseillers, de consultants obscurs, là, de personnes qui viennent gratter. Enfin, je prends le ton que prend Robbie Slater. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il n'y a toujours pas de pilote, concrètement. Le premier match, comme tu l'as dit, de préparation, ce qui est très important, surtout pour une équipe comme l'Australie, est en mars. Et on n'a toujours pas de pilote, on n'a toujours pas de personne pour commander cette équipe. Et on entend pourtant des noms, mais c'est, voilà, ça fait plus nom rutilant que chose sérieuse. On a entendu Bielsa, on a entendu... on a entendu Scolari qui avait refusé. Scolari. On a entendu Van Raal. On a entendu... Voilà, je viens de manger son nom, Mancini. On a entendu toute une palanquée de noms. Il y a une liste, mais un truc... Les derniers nommés sont français. On a entendu Muslin. On a entendu les derniers nommés qui sont surtout apparus dans la presse française. Ce sont Giresse et Troussier. Et Laurent Blanc aussi, je crois. On a entendu Klinsmann. Ouais, on avait entendu Laurent Blanc. On a entendu Jürgen Klinsmann qui aurait, via un intermédiaire, proposé ses services à la fédération. On a une liste. On a une liste de noms. Alors, la fédération n'a communiqué sur aucun nom. Elle a juste dit qu'elle avait plusieurs candidats, qu'ils étaient en train d'évaluer la pertinence de recruter telle ou telle personne. C'est-à-dire, ils ont quand même laissé entendre le fait qu'ils n'avaient pas de thunes, que donc, si quelqu'un voulait venir chercher une jolie pige pour faire en jouer une Coupe du Monde, ils pouvaient oublier parce qu'ils n'avaient pas d'argent. On ne voit pas trop où ils veulent aller en termes de construction du projet. C'est ce que j'allais te demander. On sait que Robbie Slater est un personnage avec énormément de tempérament, donc le voir sonner l'alarme à sa manière, c'est pas forcément si surprenant que ça. Mais est-ce que la situation est alarmante, vraiment? Est-ce que la situation est alarmante? Elle est alarmante dans le fait que ça fait quand même déjà 2 mois de perdu. Rien n'a été fait. La fédération annonce que les auditions vont commencer la semaine prochaine. Alors, les auditions de qui, on n'en sait rien. Comment, on n'en sait rien. Ils ont aussi également communiqué en disant que le sélectionneur serait annoncé mi-février. Mi-février, ça veut dire dans un mois. Donc, il y a encore un mois de plus de perdu. En gros, ils ont perdu un trimestre dans l'histoire. Alors, évidemment, du point de vue des joueurs, c'est-à-dire le contact entre le sélectionneur et les joueurs, dans l'absolu, on va dire, en termes de préparation pure, ça change rien. Sauf que, il va falloir quand même quelqu'un qui connaisse un petit peu le paysage footballistique australien. Ce qui veut dire que si tu vas chercher un sélectionneur étranger, il va falloir quand même qu'il fasse un sacré audit de l'état du football australien. Il va falloir qu'il rencontre les internationaux. Il va falloir qu'il règle certains problèmes. On ne va pas l'évoquer, mais par exemple, Tim Cahill n'a toujours pas de club. On l'annonce en Chine, là, mais il n'a toujours pas de club. Donc, il ne joue pas, ce Tim Cahill, qui est pourtant un homme clé de la sélection, enfin, un personnage de... Bah, d'un point de vue charismatique et de leadership et, et sportif. C'est tout simplement le meneur de cette équipe. Exactement. Aaron Moy aussi, mais dans une Lui, il joue. Mais tu vois, je veux dire, quand il y a un processus avec un sélectionneur, le travail du sélectionneur ne se contente pas au travail qu'il va mener pendant les stages de préparation. Il y a tout un travail en amont et le temps qui est perdu là, concrètement, il ne peut pas être rattrapé. Donc, ils vont se retrouver à nommer un sélectionneur 1 mois avant le premier match amical. Ce sélectionneur-là va avoir 1 mois pour bosser.
concrètement, et même moins, puisqu'après il va les réunir pour le truc. Donc c'est très très compliqué, et j'aurais presque tendance à dire que ce retard pris est en train de jouer en défaveur d'aller chercher un coach étranger, parce qu'on imagine mal un coach étranger pouvoir... Mais je le dirai après. Ouais, poser ses valises le 15 février et mettre tout en place en moins d'un mois. Et il a raison, Robbie Slater, sur ce point-là. Il a raison sur le fait qu'on ne voit pas qui dirige. On ne comprend pas ce comité d'experts extérieurs. Et, bon, qui est des anciens joueurs, à la limite, c'est pas trop mal, mais des gens comme Houillé ou Roxburgh, on voit pas ce qu'ils viennent foutre ici. Voilà, ça fait vraiment vautour, là, franchement. Je doute qu'Houillé connaisse un seul joueur australien, peut-être, qui connaisse les arcanes australiennes. Là, je doute. c'est un peu bizarre, quand même. Enfin. Non, mais voilà. Et tu vois, il a raison de tirer le signal d'alarme sur ce qu'est en train de faire la sélection australienne, surtout que sur le terrain, pour dire les choses très clairement, il va falloir passer derrière Postecoglou parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, surtout sur la fin. L'Australie s'est qualifiée péniblement, mais si on doit juste pointer 2 secondes sur le terrain, Ange Postecoglou a bossé pendant 4 ans, il a instillé une philosophie de jeu, une façon de jouer ensemble, une philosophie générale, il a créé un groupe sur ces 4 années-là. On l'a vu à la dernière Coupe des Confédérations, il avait une volonté de proposer un type de jeu, et là on va repartir à zéro. Et on ne sait pas trop, et c'est pareil. On entend des noms de... Plus le temps avance, plus on se dit que ça risque d'être un local de l'étape. Tout le monde pense à Graham Arnold, l'actuel entraîneur de Sydney, qui est en train de marcher sur le championnat. Sauf qu'avec le temps qui avance... Il se promène. Sauf qu'avec le temps qui avance, il n'est pas non plus totalement fou, Graham Arnold. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller, il va pas aller mettre les pieds dans la galère. Et on entend son nom qui circule surtout maintenant chez les voisins néo-zélandais. Il offrirait la possibilité de rester à Sydney tout en gardant la sélection néo-zélandaise. Donc voilà, c'est très compliqué. On ne voit pas qui dirige, on ne voit pas vers où ils vont. Et Slater a vraiment raison d'alarmer et d'alerter tout le monde là-dessus. Très bien, donc situation alarmante pour l'Australie, qu'on le rappelle, est une des sélections que va rencontrer l'équipe de France dans son groupe E, je crois, je ne sais plus, enfin, peu importe leur nom. Ce sera donc une des sélections que va affronter la France, et cette sélection va très mal, ou on ne sait pas où elle va d'ailleurs, tout simplement, on ne sait même pas si elle va mal, puisqu'on ne sait pas simplement. Où elle va. Moi, j'ai envie de dire une chose, vois-tu, Nicolas, cette mission, c'est une mission pour Duprat, voilà. Et prendre une équipe à une semaine d'une compétition et mener les hommes, et tu vas voir, Duprat va la prendre ça fera comme le Danemark 92 et comme la Bulgarie 94. Des fleurs au bord de la piscine avant de jouer les matchs. Non, mais tu... Enfin, tu le dis sur le ton de la boutade, mais je pense très, très honnêtement, et je pense que c'est aussi indirectement ce qu'essaye de dire Robbie Slater avec la proximité de la Coupe du Monde et en insistant bien là-dessus. Je ne suis pas convaincu que l'Australie doive se poser aujourd'hui la question de savoir comment elle construit son avenir. L'exemple du Duprat, en gros, ce qu'il faut à l'Australie, c'est un pompier. Quelqu'un qui est capable de mener une mission commando en très peu de temps. Voilà. Alors, il y a un nom, moi je pense à Sergeant Drill. Des hommes comme ça. Des hommes capables, en gros, concrètement, il faut le dire, de faire une pige. Hiddink qui a d'ailleurs déjà sélectionné l'Australie en 2006, qui les avait amenés en quart de finale. Il s'était fait voler par ses voleurs italiens. Excusez-moi. Faut pas le dire. Non, mais voilà, tu vois, l'Australie est typiquement, devrait typiquement chercher un pompier et non pas commencer à essayer de réfléchir en termes de projet sur le long terme, parce que son long terme, c'est 6 mois. Et ensuite, si ça se casse, parce qu'il faut dire les choses, on en a déjà parlé dans la présentation lorsqu'on a parlé de la Coupe du Monde, franchement le groupe de l'Australie, il est d'une violence assez inouïe, donc c'est mieux peut-être que 2014, parce qu'ils avaient l'Espagne, le Chili et les Pays-Bas, donc là c'est peut-être un petit peu plus abordable, quoique, mais concrètement l'Australie n'a pas grand chose à perdre sur cette Coupe du Monde, autant nommer un pompier et travailler, au moins commencer à le laisser travailler 6 mois pour ensuite vraiment commencer à construire pour 2022 concrètement. Très bien, et merci beaucoup Nicolas, et puis merci beaucoup, et puis bravo d'avoir relevé la tâche d'Antoine. C'est le faire, mais ma foi, t'es rédacteur en chef de Carnet Opposé, donc au final tu touches un petit peu à tous les continents, donc tu es à peu près le seul qu'on peut arriver à caler sur tous les magazines, tous les championnats, toutes les émissions. Et on te retrouvera peut-être sur Bola Latina pour nous parler un petit peu du Chili. On a rarement parlé du Chili. Allez, ça marche. Allez, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci le beaucoup, Nicolas. À la prochaine. Je t'en prie. Ouais, salut. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier opus. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, comme je le dis au départ. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis !